tout ce que vous êtes en train de faire, ceci est un flash spécial. Magnum vient d'annoncer une nouvelle date à l'international avec Sega. L'annonce de cette nouvelle rend la population complètement ma boule. Quant au fan club féminin, il a du mal à se contenir. Oh Magnum, je t'aime. Et tous les apothicaires de la ville sont pris d'assaut. Auriez-vous de l'ecstasy? Ah non, j'ai tout vendu. Bon, et bien voilà, c'est la fin de ce journal. À part ça, rien à signaler, à part une petite attaque nucléaire et le début de la Troisième Guerre mondiale, mais on s'en fout. La nouvelle la plus importante, c'est le concert de Magnum. Allez, ciao! Salut à tous! Hier, les équipes de Magnum News étaient à l'international au concert de Magnum. L'ambiance était à la sobriété et à la courtoisie. On ne déplore que deux incidents mineurs. Un qui l'âme est resté bloqué 6 heures aux toilettes. Heureusement qu'un groupe d'hommes manifestement très pressés ont arrangé la situation. Ça, et une légère pénurie de bière qui a mis le barman sous pression. Arrêtez! Arrêtez de me faire chier! La soirée a duré jusqu'au petit matin et certains n'ont pas eu la force de rentrer chez eux. Bon bah voilà, je crois qu'on peut dire que c'était le meilleur concert de l'histoire de l'humanité. N'oubliez pas de regarder le clip de Magnum en boucle et à bientôt pour de nouvelles Magnum News. Comme Thierry Sinclair est un gros fan de Magnum, il est parti 2 semaines en avance au concert avec tous ses potes. Mais là, ils sont un peu perdus. Il y a quelqu'un là-bas. Mais ne restant pas trop longtemps... Les gens n'aiment pas trop Magnum dans la région. Non, je vais lui demander notre chemin. En plus, j'ai oublié mon GPS. Mais je te dis que c'est très mal famé. Ouais, mais garde. Monsieur? Oh, mon Dieu, mon Dieu. Papa Magnum, vive ma sombre mélodie. Je crois que c'est la première partie du concert. Et c'est vraiment super. Attention Thierry. Quoi? 20 ans. Ce soir, Thierry est invité au concert de Britney Spears par son beau-frère Gontran. Oh, ça sent le fauve ici. Alors, prêt pour Britney? J'irai pas à ton concert de merde. Je vais plutôt aller voir Magnum au consulat. Thierry, tu as vraiment changé depuis que tu écoutes Magnum? Moi, je trouve pas. Non, mais regarde-toi. T'es bourré, tu pues. Et tu dors dans la paille comme un palefrenier. Et pire que ça, tu es mal rasé. Je vais te péter la gueule. J'aimerais bien voir ça. Faites bon rêve, vieux débris. Sur Magnum Music TV, nous avons demandé à ce bassiste de funk super funky son avis sur Esclave du Rock'n'Roll. Crazy on mon expérience de Funky Man, ce groupe est vraiment de la dynamite. Quand je les ai vus pour la première fois, je me suis dit putain mais j'ai raté mon vie. En plus ils ont même le mec de Very Bad Trip pour faire la figuration. Oh you know, je kiffe tellement ce disque que je l'ai acheté en 3 putain d'exemplaires. J'en ai mis un dans mon bagnole, un dans mon cuisine et un dans mon shot pour l'écouter quand je fais pipi. Merci Philippe, c'est un peu chelou, mais c'est quand même super sympa pour Magnum. On se revoit très vite sur MMTV, à vous les studios. Qui a dit que Babylon City avait le monopole des expos branchés et des vernissages qui se la pètent? En bon outsiders, Magnum et l'Immortel ont décidé de dire fuck la life et d'aller voir une performance sur la plage de Perusky Wreck. Parce qu'un bain de mer en été vaut bien 1000 bouteilles de champagne. Regarde cet artiste immortel, c'est un druide de la région. Il fait des sculptures abstraites qui dépeignent la décadence de notre société. Et ça me rappelle autre chose, dans le genre organe humain. Ah, je ne sais pas. Tu vois, dans 20 ans, ça vaudra des millions. Et on est les premiers à le savoir.